Aujourd'hui, c'est Ambre qui nous propose son défi pour fabriquer un petit moulin. Elle m'a envoyé les explications, les voici. Pour notre activité, on a besoin de scotch, peinture, plumes, autocollants, de la colle, des bâtonnets en bois, des ciseaux, des paillettes et deux rouleaux de papier en carton. Première étape. Je découpe un rouleau cartonné pour qu'il soit plus petit que l'autre. On colle les deux rouleaux pour les assembler. On prépare les toits, un grand et un plus petit, à l'aide d'une feuille cartonnée que l'on plie en deux. On décore le toit. On a mis de la peinture et des fleurs. Ensuite, on décore les deux rouleaux. On attache le grand toit au rouleau avec du scotch ou de la colle. Pareil pour le petit. Dernière étape, la roue. On peut utiliser des bandes de papier, des bâtonnets en bois ou des plumes par exemple. Voilà, à vous de jouer. Un grand merci à Ambre et ses parents pour la préparation de ce beau défi.